Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Là, actuellement, je suis à Moselle Gaming et on m'a demandé de filmer un petit peu les lieux, les différents jeux. Donc pour moi, ça me fait extrêmement plaisir et j'ai hâte que justement ceux qui ont organisé Moselle Gaming puissent voir ma vidéo. Donc ça me fait, et déjà je voudrais vous remercier de m'avoir demandé de tourner cet événement, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'espère que pour vous, la petite vidéo vous plaira à vous. Donc du coup, si la vidéo vous plaît, eh bien n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien qu'est-ce que vous attendez? N'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour ça quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et encore une fois, donc je remercie le département de m'avoir choisi pour filmer l'événement de Moselle Gaming et j'espère que la vidéo vous plaira un max. Moi je vais sur le carafe et après je vais. Je crois que la première de la système défense on a vraiment. Je crois pas. C'est moyen, je pense. Ah, il a pause. Ça fait le pull d'acide sur eux. Je crois qu'ils ont eu une pour le pull nous la première game, je crois. C'est comme le câble, hein, c'est sur les programmes. Par contre, il n'y a pas beaucoup de shoot. Hein? T'avais dit une idée de shoot. Un shoot, c'est genre comme. J'ai la personne. Ah, mais gros, c'est normal, je fais que. Je suis en train de bégayer sur ma souris, mon pote. Ah, c'est bon, je me suis habitué au clavier maintenant. Wait, wait. Ah ouais? Oh, y'a Nicolas. Tu vas Oh, trop bien. Thank you.
Alors du coup, bonjour. Bonjour. Donc vous faites partie, donc si je comprends bien, c'est une association. C'est bien ça. Et en fait, ça consiste en alors, quoi exactement? Notre association, c'est l'association Five TV. Elle existe depuis 2 ans maintenant. On est situé à Forbach en Lorraine. Et nous, ce qu'on cherche à apporter, c'est une mixité autour du jeu vidéo. D'accord. Donc en réunissant des femmes, des hommes, des personnes en situation de handicap, tous les genres, tous les milieux. Et de pouvoir les aider à s'épanouir autour du jeu vidéo, pardon, que ce soit en termes amateurs, en termes de compétition, en termes d'événementiels comme ici, où on peut amener des gens sur place pour mettre en place l'événement, l'organisation, etc. On peut les former là-dessus. Donc tous les milieux du jeu vidéo, sans aucune barrière, on peut former les gens, les aider à les accueillir dans un milieu qui leur plaît, etc. D'accord. Et en fait, elle existe depuis combien de temps ? 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on existe maintenant. Et tout doucement, on commence à faire du physique comme là, parce qu'au début, on était que en ligne. Mm-hmm. Et tout doucement, depuis les grandes vacances de cette année, donc 2019, on commence à faire un peu de physique. Là, actuellement, c'est notre 3e événement. D'accord. Et du coup, en fait, donc ça se passe comment ? Est-ce que vous avez un lieu fixe ou vous vous déplacez un petit peu partout ou... Alors, on n'a pas de lieu fixe. On est principalement en réseau. D'accord. Sur Internet. Donc, on communique par le biais de l'application Discord. Et sinon après on a plusieurs membres un peu partout en France, on se déplace sur différents événements, principalement à Paris pour la Paris Games Week, pour rencontrer le plus grand nombre de personnes de la communauté qui nous entoure. Et sinon on fait des petits événements comme ça à droite à gauche dans le département. D'accord. Et enfin, donc si par exemple la médiathèque Léo, donc il y a, où nous sommes actuellement, organisait de nouveau cet événement l'année prochaine, vous y participeriez à nouveau ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, on reviendra sans aucun problème. D'accord. Je vous remercie. Merci à toi. Je vous remercie de prendre le temps de pouvoir répondre à mes questions déjà. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cet événement ? C'est un très bel événement. Mm-hmm. C'est dans la suite de ce qui se faisait beaucoup dans les médiathèques, dans les bibliothèques. Hein, les plateaux de jeux, bah aujourd'hui on est passé au stade au-dessus avec notamment les jeux vidéo, le gaming, c'est très important. D'accord. Et donc imaginons que si par exemple cet événement est de nouveau proposé avant l'année prochaine, est-ce que vous accepteriez qu'il soit de nouveau organisé ? Alors, il sera organisé, hein, le département a l'intention de l'organiser maintenant. Ça a été lancé l'année dernière sur Nus pour faire un essai. D'accord. Aujourd'hui, c'est sur 5 sites que cela se passe. Et la volonté du département, c'est bien évidemment, hein, l'année prochaine, alors, sous une forme qui va être étudiée, hein, cette année, de continuer à organiser ce genre de manifestation. Hein. D'accord. Et vous pensez que ce type de manifestation ne serait que ici ou bien ailleurs, au Sucréance? Non, ça va tourner. Hein, l'intérêt, hein, c'est... On peut rêver, hein, il y a 55 ou 60 bibliothèques et médiathèques dans le département, qu'un jour ça soit dans chacune, dans un immense réseau. D'accord. Mais pour l'instant, hein, ça va être chez l'un ou l'autre. Et ici, à partir de ça, ça donne des idées. Et la responsable de la médiathèque va développer dans la continuité, hein, des activités. D'accord. Et du coup... Là, si je puis dire ça comme ça, je suppose peut-être avec certains jeux, ça vous a rappelé peut-être des souvenirs ou... Bah, je vais te dire, voilà. Ça m'a rappelé les souvenirs de mes petits-enfants qui jouaient avec ce genre de choses. Hein, oui, je vois. D'accord. Je vous remercie. De rien. Eh bien, et puis, hein, fais gaffe, hein, si tu prends derrière. Voilà. Merci. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement ? Oui, j'étais là sur ces... C'était un super événement qui relie aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Il y avait multiples supports, des associations, mais également des bénévoles. Moi, je trouve que c'était un super événement, personnellement. Ça va pour vous, Simon ? C'est un très bel événement parce que ça change un peu des événements classiques qui nous permet, nous, de sortir un peu de chez nous et de découvrir d'autres jeux, surtout le jeu rétro gaming, Le rétro gaming, qui nous permet un peu de savoir si on veut nos
nos parents, un peu avec par exemple Pac-Man. Donc c'est vraiment un bon événement que nous pouvons découvrir et passer un bon moment avec tous les jeunes du secteur. Ah, on passe devant. Les avis passés. Oui, oui, bon, c'est pas petit. Grave. Hein. On a juste le début de la tête. Et du coup, après, il y avait quelque chose de déjà assez original, comme par exemple avec les livres en trois dimensions. Vous en avez pensé quoi, du coup? Moi, c'était une très bonne initiative qui se prête bien à l'univers de la médiathèque, en fait, en support en plus des livres. Et une super animation, un contenu numérique, rétro gaming, avec des associations. Je pense à Faith TV, Farba et autres, qui ont fait des super animations toute la journée. Ça a rapproché des gens, il y avait des 1 contre 1, des trucs en coopération. Et pour rebondir un peu ce qu'il a dit sur le truc des points numériques, ça permet que le gaming touche tout le monde, pas que uniquement les jeunes et les adultes, des dames adultes. Si ça touche les enfants qui peuvent un peu découvrir le numérique et plus approfondir et grandir un peu dans la nouvelle génération. Ceux qui touchent, ceux qui n'ont pas l'habitude, par curiosité, ils ont pu voir du coup. D'accord. Merci, du coup. Super. Salut. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'événement très intéressant, c'était super sympa. En même temps, j'ai découvert quelques jeux. Il y avait également des jeux de société, donc c'était sympa. Encore une fois, je remercie Mosaic Gaming de m'avoir demandé de filmer la vidéo. Ça a été un énorme plaisir pour moi et j'ai hâte que vous la voyez. Que vous la voyez lorsqu'elle sera en ligne et que vous me donniez un avis là-dessus. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et bien, si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker un maximum, de la commenter et de la partager. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, et bien, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Et si vous avez des propositions d'idées à me faire, n'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires. Et tant qu'à faire, bon, je ne veux pas forcément faire ma pub également, mais si jamais votre ville ou quoi organise c'est un petit événement, enfin du moment que c'est pas trop loin de chez moi, mais si jamais votre ville organise un événement ou quelque chose comme ça, et ben faites-le moi savoir, ça m'intéresserait peut-être de filmer cet événement. Donc voilà, si ça vous intéresse, et ben je suis là pour pouvoir filmer cet événement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !